Nous voici de retour sur les rives du fleuve Saint-Laurent à Montréal. En 1978, une variante de cette piste accueillit pour la première fois le Grand Prix, remporté cette année-là par le grand Gilles Villeneuve. Le circuit fut ensuite rebaptisé en son honneur, ayant été le premier Canadien à s'imposer dans son pays. Long de 4,3 km, le circuit Gilles Villeneuve est l'un des plus rapides du calendrier. Les vitesses de pointe, qui flirtent avec les 340 km/h à l'entrée du virage 13, facilitent les dépassements. Nous avons au total 14 virages et 60% du tour peuvent être parcourus à plein régime. La vitesse moyenne est d'environ 210 km/h. Comme d'habitude, Nicolas Martin m'accompagne pour la course d'aujourd'hui. Bon, parlons un peu de Mason. Ils vont attaquer ce Grand Prix en queue de peloton et quand vous bénéficiez d'une monoplace aussi rapide, il y a vraiment de quoi enrager. Ils vont l'avoir mauvaise quand ils se rendront compte que leur voiture n'a pas le même code postal que celui de la ligne de départ. Mais dans les points positifs, ils peuvent compter sur une voiture rapide pour remonter le peloton. Après la superbe séance de qualification d'hier, il est temps de jeter un œil à la grille de départ. Marcus Ericsson part en pole position et Charles Leclerc s'élance de la deuxième place. En ce qui concerne le reste de la grille, Pérez, Vettel, Kimi Raikkonen et Bottas, Grosjean, Ocon, Ricciardo et Pierre Gasly, Stroll, Mason, Kevin Magnussen et Hülkenberg, Sirotkin, Sainz, Brandon Hartley et Max Verstappen, Van Dorn et Fernando Alonso qui partent dernier sur la grille. L'extinction des feux est imminente, montez le volume et rendez-vous au premier virage. Okay, be wary of the cars ahead breaking suddenly into one. We could ruin our race if we hit them. Good luck. The start sequence will begin as soon as the grid has formed. Be ready with the clutch. Start phase. Now let's build on it. Work, that brings you up the place.
please stay clear of the white line on the exit. You will receive a penalty for dangerous driving if you cross over into the track. Okay, focus. We need to stay on form. We've been awarded a time penalty. We'll go against our finishing time at the end of the race. Time penalty for that last incident. All right, race over. Take care of the car on the way in. L'écurie Sauber remporte aujourd'hui une très belle victoire. Selon vous, Nicolas Martin, qu'est-ce qui a fait la différence aujourd'hui ? Je crois que la constance a été déterminante aujourd'hui. On peut être rapide sur un tour, mais enchaîner les bons chronos n'est pas donné à tout le monde. Un pilote constant profite des erreurs de ses adversaires tout en évitant d'en commettre lui-même. De cette façon, il parvient à prendre la tête du peloton. Alors que la fièvre tombe doucement après un Grand Prix complètement fou, il est temps de retrouver sur le podium les trois meilleurs pilotes du jour. Après cette nouvelle manche du championnat du monde, voici à quoi ressemble le classement des pilotes. C'est un bon résultat pour Charles Leclerc qui creuse l'écart au sommet du classement. D'après vous, Nicolas Martin, quel pilote s'est montré le plus convaincant aujourd'hui ? Pour moi, c'est Masson. Ils ont livré un combat titanesque et le rythme était parfois incroyable. Ils étaient au-dessus du lot aujourd'hui. Nous passons à présent aux constructeurs. Sauber s'envole au classement. Nous avons assisté à une belle performance de l'écurie Mercedes qui grimpe dans le classement. On espère vous retrouver dès la prochaine course pour encore plus de rebondissements et d'actions et découvrir, qui sait, un nouveau vainqueur.